Ce travail que nous sommes en train de faire, on l'accompagne toujours de chansons pour haranguer les foules qui étaient en train de pousser cette pirogue. La pirogue aussi, quand elle venait, on demandait aux enfants de se cacher parce que on pouvait tirer un de ses enfants pour mettre dans l'âme de la pirogue pour que cette pirogue dans le fleuve puisse être une pirogue très équilibrée et qui ne connaîtra jamais d'accident. C'est donc les âmes de ces enfants qu'on capte et qu'on met dans la pirogue. C'est pourquoi on demande toujours aux enfants de se cacher pour que cela ne se produise pas. Et quand on marchait, il arrivait aussi que les gens voyaient empêcher que la pirogue arrive. C'est pourquoi vous avez vu ces coucoucs qu'on a. C'est parfois les personnes éclatées dans la pirogue pour bloquer l'avancée de la pirogue. Donc avec les coucoucs, on tapait les coups sur la pirogue pour faire sortir ses âmes et que permettre la pirogue de bien avancer vers la mer. Voilà. Donc les âmes magnifiques, ce sont ces âmes qui bloquent parfois l'avancée de la pirogue. Voilà. Hey!